Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Saveur d'ailleurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un plat savoureux, facile à faire. Pour cela, je vous laisse regarder les ingrédients qu'on aura besoin pour cette recette et la préparer. Je mets deux casseroles d'eau à bouillir. Dans la première, je mets le poisson avec un quart d'un citron et je laisse frémir 6 à 8 minutes. Dans une autre casserole, je mets le riz et je laisse cuire 15 minutes. Entre-temps, je passe couper l'oignon en petits morceaux. Et une fois terminé, dans une poêle, je mets le beurre à fondre. Ensuite, je rajoute les oignons. Je rajoute une cuillère à café de curry. Je mélange et je laisse les oignons fondre 5 minutes. Entre-temps, j'ai retiré le poisson du feu. Je l'ai passé dans une passoire. Je l'ai mis dans une assiette pour le démietter et retirer les arêtes. Moi, j'utilisais le filet de lion noir. Vous pouvez utiliser le filet de cabillaud, le filet de saumon. Vous utilisez ce que vous préférez. Dans une poêle, je mets la crème sur un feu vif. Je rajoute les jaunes d'œufs. Je mélange bien. J'incorpore les oignons cuits. Je rajoute le riz et je mélange avec la crème. Je rajoute également les poissons. Je mets un peu de persil. Je rajoute les œufs durs. Ensuite, j'assaisonne d'une cuillère à café du sel. Cuillère à café de poivre noir, une cuillère à soupe de citron, de jus de citron, pardon. Je mélange le tout. Je retire du feu et je passe au dressage. C'est la fin de la préparation de cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt.